disciple de Yue Shiba Sensei et haut gradé d'aïkido, connu dans tout le Japon pour l'efficacité de ses techniques, Shioda Gozo est également connu pour ses nombreuses démonstrations. Second fils d'un grand amateur d'arts martiaux et propriétaire d'un dojo nommé le Yoshinkan, nom qu'il donnera à son style en hommage à son père. Il fut le principal partenaire de Yue Shiba Sensei lors de sa démonstration au Palais Impérial en 1941. Shioda Sensei a été l'une des principales sources d'inspiration d'Akira Ino Sensei. Décrit par la revue américaine Black Belt comme le petit géant de l'aïkido, Shioda Sensei a accueilli plusieurs personnalités dans son dojo, tels que Mike Tyson et Don King en 1987, mais une de ses plus célèbres démonstrations devant une personnalité fut celle réalisée devant le frère cadet de John Fitzgerald Kennedy, Robert Francis Kennedy, en 1962, 6 ans avant son assassinat. Robert Kennedy fut présenté à Gozo Shioda par Yasuhiro Nakasone, qui devint plus tard le premier ministre du Japon. Lors de sa venue, le frère du célèbre président vanta à Shioda Sensei la rigueur de l'entraînement de ses gardes du corps, et invita donc Shioda Gozo à effectuer une technique sur l'un de ses gardes du corps. Il accepta la proposition et mit au sol avec aisance le garde du corps. Shioda Gozo nous quitta le 17 juillet 1994.塩田の噂を聞きつけ昭和37年あのケネディ大統領の弟で後に暗殺されるロバート・ケネディが来日の際、養親館を訪問。だがその際、塩田の神業を目にして信じられないケネディは190センチ100キロを超すボディーガードを塩田と立ち合わせた。と腕を取った途端、その巨体が一瞬で体勢を崩され倒れ込んでしまったではないか。ケネディは塩田の神のような実力にすっかり感服。さらにその時の驚きを後の回想録にこう伝えている。その小柄な先生に私のボディーガードはまるで雲をピンで貼り付けたよういとも簡単に取り押さえられてしまった。